Ben, ça représente beaucoup de choses. C'est les valeurs humaines du joueur pacifique, amateur, qui aujourd'hui touche un monde professionnel. Donc, c'est grandiose, quoi. Maintenant, il faut que ces valeurs-là en soient à la hauteur. Et à la hauteur, c'est par le travail. On continue le processus et puis il va être important surtout parce que nous, depuis novembre, on est sur les terrains. Et on a parlé avec Patrick tout à l'heure. C'est vraiment... On rentre dans la compétition professionnelle par rapport au rythme de match. au rythme de match et puis les matchs qui se sont multipliés. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrêté, quoi. Donc, c'est surtout de créer un bon staff médical pour faire récupérer les joueurs et continuer le processus d'entraînement et pas faire n'importe quoi. Parce qu'on est en fin de saison, on a enchaîné deux saisons, on n'a pas eu trop de repos. Donc, je pense que physiquement, il faut vraiment faire récupérer les joueurs. Et puis, c'est pour ça qu'on a un groupe étoffé, on est 30 joueurs. On a étoffé le staff pour essayer de faire tourner un peu, essayer de d'être toujours prêt à la compétition. Mais on ne va pas s'inventer, on ne va pas recréer encore une autre préparation de début saison. Il faut vraiment qu'on récupère, qu'on se base sur la récupération et tactiquement derrière et au niveau technique.